Bonjour Déborah. Bonjour Catherine. Si aujourd'hui on faisait un peu de couture? Sympa. Regarde, je te propose de faire un doudou. Pour ça, tu prends du tissu. Regarde, il est tout doux. Oui. Tu le plies en carré. Voilà. Tu peux y mettre au milieu la forme de ton choix. Ici, on a choisi un cœur. Voilà. Sur les côtés, on a choisi des petites bandelettes rouges qu'on peut plier en deux si le tissu s'effiloche un petit peu pour mettre dans les coins. Vas-y, Catherine. Après, bien sûr, vous allez coudre tout le tour du doudou. Voilà. Une fois tout le contour fait et les petites languettes mises sur les côtés, vous retournez le tissu et vous obtenez un carré tout doux. Un carré tout doux? Oui, regarde. Je peux le prendre? Oui, vas-y. Vous savez à qui je vais le donner? Non. Je vais le donner à Rodolphe, le renne du Père Noël, parce que il aime bien les trucs tout doux. Je peux le garder, hein? Oui, c'est pour Oh, il toi. va être trop content. Merci! De rien. Et ben voilà. Le doudou est fait. Bonjour Mélina. Bonjour Laetitia. Bonjour les enfants. Bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons vous proposer avec Laetitia de confectionner un bonhomme de neige avec des chaussettes. Je vous montre les enfants. Pour réaliser ce bonhomme de neige, c'est tout simple. Vous récupérez à la maison ou vous achetez une paire de chaussettes blanches. Vous coupez au niveau du talon la chaussette en deux. Elles sont épaisses, hein, ces chaussettes d'hiver. On voit qu'il fait froid, hein. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Vous coupez mes chaussettes? Non, Père Noël, ce ne sont pas tes chaussettes. C'est des chaussettes que nous avons prévues pour réaliser des bonhommes de neige. Pour montrer aux Oh. enfants et aux parents comment réaliser ces bonhommes de neige. Ils sont très beaux. Tu vois ça? C'est mignon, hein? Ah oui, c'est mignon. Ils sont plus beaux que ceux du Pôle Nord. C'est vrai, Père Noël? Oh oui. Oh merci, c'est un compliment Ah venant de toi. oui. Ben, bon courage. Merci Merci Père Père Noël. Noël. À bientôt. À bientôt. Repose-toi bien pour être en forme pour les petits-enfants. Laetitia, une fois que nous avons Parfait. coupé la chaussette en deux, tu retournes la chaussette. Tu prends l'extrémité. Et tu fais un nœud. Les parents, vous faites un nœud avec un élastique pour maintenir la base du bonhomme de neige. Pas compliqué. Alors là, on va passer à l'étape suivante. C'est bon pour toi, Laetitia? C'est bon. Vous retournez la chaussette. Hop. Et là, on va arriver à l'étape que les enfants adorent faire. Les enfants adorent manipuler. Ils vont pouvoir remplir. Je te laisse m'aider, Laetitia. Hop. Les enfants pourront le faire avec les mains ou avec une cuillère éventuellement. Vous remplissez jusque quasiment en haut de la chaussette. On va en remettre un petit peu plus si tu veux. Hop, un petit peu plus. Ça devrait être. Au pire, vous pouvez prendre une bassine à la maison pour éviter de tout salir. Regarde, Laetitia. Tu rattrapes le morceau où il y a l'élastique. Tu reprends un autre élastique. Et tu viens fermer. Là, on a le corps complet du bonhomme de neige. Voilà. Tu veux de l'aide, Laetitia, pour oui, mettre ton je veux bien. Il vaut mieux avoir de l'aide. Oui, les parents, vous pouvez tenir la chaussette ouverte pendant que les enfants remplissent leurs chaussettes. Et voilà. Une fois que vous avez le bonhomme de neige de près, vous le posez, vous façonnez une tête, prenez un autre élastique.
pas en prendre un trop grand, parce que pour la tête, il n'en faut pas un trop grand. Hop. Et vous enroulez pour former une boule pour la tête. On ferme. Ça va, Laetitia, pour toi? C'est parfait. Avec la deuxième partie, du coup, avec le talon de la chaussette, tout simplement, vous allez enrouler la chaussette pour faire un petit capuchon. Hop, on roule, on roule, on roule. Et on se retrouve avec un bonnet qu'on va mettre sur la tête de notre bonhomme de neige. J'ai entendu bonhomme de neige? Oui. Je voudrais un bonhomme de neige. Lita, si tu patientes un petit peu, on t'en offrira un. Mais il faut nous laisser le terminer. On est en train de montrer aux parents et aux enfants comment on fabriquait leur bonhomme de neige. Tu veux bien patienter? Pour m'en garder un. On t'en garde un, promis. Parce que je voudrais un bonhomme de neige pour jouer avec moi. Promis, on t'en garde un, lutin. Là. Ça va, Laetitia, pour non, la chaussette? Perdu pour la chaussette. Alors, regarde, je te montre. Tu enroules, tu enroules, tu enroules toute la chaussette. Comme si vous faisiez des boules avec deux chaussettes. Et hop, tu te retrouves avec un chapeau pour ton bonhomme de neige que tu peux mettre sur sa tête. D'accord, merci. Ensuite, à vous de décorer comme vous le sentez. Vous pouvez éventuellement récupérer des boutons ou encore des formes, des gommettes. Vous pouvez le décorer à votre guise. Nous, de notre côté, on avait utilisé un pistolet à colle pour préparer cela. On avait mis par exemple des boutons, des yeux qui bougent, mais vous pouvez aussi le faire au feutre, tout simplement. Le costume là, du bonhomme de neige, il est fait avec des feutres. Et toi, Laetitia, tu as choisi de le faire comment aujourd'hui? Avec des boutons et de la... Du double face? Avec du double face. Si vous en avez à la maison, c'est pratique aussi. Hop. Avec du double face. Hop. On met le premier bouton. Le deuxième. On va en mettre un au milieu pour équilibrer. Hop. Vous êtes beau, nos bonhommes de neige. Vous en pensez quoi, vous, les enfants, des bonhommes de neige? Moi, je suis comme le lutin. J'aime trop les bonhommes de neige. J'adorais, quand j'étais petite, faire des bonhommes de neige. On va y jeter des yeux. Un petit pompon. Il ne faut pas oublier la carotte. Hein. Donc, toujours une carotte, les bonhommes de neige, sur le nez. Oh, il est beau, Laetitia, ton bonhomme de neige. Trop mignon. Vous en pensez quoi, les enfants? Moi, je le trouve très, très beau. Hop. On va lui mettre ses yeux et son nez. J'ai choisi, moi, aujourd'hui, de mettre un pompon pour faire sa carotte. Vous pouvez mettre un morceau de tissu orange ou encore... Il n'est pas oublié. De la feutrine. Un petit cache-nez. Surtout, parce qu'il risque d'avoir froid. Est-ce que tu aurais encore du double face, Laetitia? Oui, je veux bien un petit bout, s'il te plaît. Je vais lui mettre son écharpe en attendant. Hop, il fait froid, bonhomme de neige. On sort avec son écharpe au cou. Alors déjà qu'il te manque un œil. À quoi tu ressembles, bonhomme de neige. Hop, hop. On peut mettre des formes pour décorer. Je continue à coller quelques gommettes, les enfants, et je vous montre le résultat final. Hop. Une seconde. Je colle son œil. Et ce sera bon. Ça va pour toi, Laetitia? Ça va. C'est pas compliqué, tu vois? Alors, un petit bout. Avec un pistolet à colle, ça va très très vite, les parents. C'est un peu plus galère avec le double face. Et voilà. Vous pouvez éventuellement récupérer des petits morceaux de brindilles dans votre jardin. Ouais, c'est fini. Il est quasiment terminé aussi. Et voilà, les enfants.
Notre petit bonhomme de neige. Toc, 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 Belinda, Laetitia. Est-ce que je pourrais avoir mon bonhomme de neige? Regarde, Karine. Préparé avec amour. Oh, merci. J'ai mon bonhomme de neige. On en préparera pour tous les lutins, tu sais. Ils vont bien travailler cette année. Ils vont être très, très fatigués. À leur retour, ils seront contents de récupérer un bonhomme de neige. Les parents, les enfants, merci pour votre attention. Bon préparatif avec vos enfants. Laetitia, et passez une bonne fête. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Chers parents, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tuto de carré sensoriel. Pour ceci, nous avons besoin d'un carré de tissu, ou un rectangle. On le plie en deux pour faire un carré. Vous devez coudre le rebord du tissu. Cela vous donne ça. Bien sûr, on le retourne. Oh, regarde Julie, on dirait la botte du Père Noël. Oh oui. Et toi, je pense qu'on dirait la botte du lutin. Certainement. C'est rigolo. Pour faire le carré sensoriel, moi je vais utiliser du riz et de la menthe. Et toi, Julie? Du café. Des grains de café. Nous mettons le riz. Hop. Bah, c'était quoi dedans? Comme ceci. Du café. Eh, mais tu l'appliques à la Père Noël? Oui. Oh, mais Mère Noël, elle aime pas qu'on aille dans sa cuisine, hein. Lucie, j'ai pris la menthe de ma Mère Noël pour faire un petit carré sensoriel. Tu lui as demandé? Mais bien sûr. Ah, elle me l'a donné. Ça va alors. Avec plaisir. Ça sent super bon en tout cas. Ça sent bon, hein. Faudra montrer à la Mère Noël, hein, parce qu'elle aime bien des trucs comme ça. Ça sera pour elle. Oh, je vais pas lui dire. Non, c'est une surprise. C'est une surprise, ok. Finissez bien tout ça. Merci. Bon courage. Merci. Quand vous avez mis tous vos ingrédients dedans, on replie les rebords. Vous prenez votre aiguille et votre fil. Nous refermons le petit carré. Voilà. Regarde Julie, j'en avais déjà préparé d'autres. Tu veux sentir pour voir ce que c'est? Ça sent bon. On dirait du curry. Oui. Regarde, moi aussi j'en ai fait un. Tu devines? Des herbes de Provence. C'est ça. Alors, vous voyez, vous pouvez le faire avec n'importe quel ingrédient. Du curry, des herbes, de la cannelle. Et vous pouvez faire sentir à vos enfants pour qu'ils découvrent les odeurs. Voilà, notre tuto est terminé. Merci Julie. Merci Lucie. À bientôt. À bientôt.